Ligne e podij. Se ke tout se trois eleman son mensonje. Sa vende yo pa sorti de dieu. E se son de moun ki sorti kal pra pouvoi. Gen se an Egypt yo al benye. Yo al lave. Yo an Egypt yo gen gro pouvoi. Lorske yo neg la kap el voe e, vo kostum ni ou chavire. Se pa san rezon. Lorske el touche ou tombe. Se pa san rezon. Paske el gen pouvoi. Pour ça, il y a le pouvoir pour hypnotiser les gens. que les gens ont fait spectacle pour impressionner les gens. Le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu, ils pas l'amour de la vérité. Et Jésus-Christ dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Or, les ne n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ou a dit qu'on remette Jésus-Christ, j'envle qu'on chita la caïro, ou douze chrétien. Mais je vous ouvre la Bible un second, ou après que ne parle du tout à côté de la plaque. Ou après vous est complètement loël. Tout le monde dit que c'est chrétien. Tout le monde dit que c'est chrétien. Au vient là on les découpé on parle de les découper, mélange tout ensemble. Bon, on sort de les découper, on nourriture découpé, puis on bon, c'est l'évangile. Ou qu'elle, ou acceptelle. Ou dit oui. <laughs> ou courir des tout de suite. Mais on ne prend pas pour examiner comme les chrétiens de Béret dans Acte 17. Lorsque Paul fin de l'évangile à bas qui ça fait? Il prend le temps pour examiner chaque jour. Ça que Paul enseigne, est-ce qu'il est exact? Est-ce que nous avons des chrétiens comme ça? Hein? Des chrétiens qui prennent le temps, hein? des chrétiens disciples de Jésus-Christ, qui prennent le temps d'examiner la parole. Pour voir, est-ce que ce que dit Frère Patrick, frère Jean, hein? est-ce que ce qu'ils ont dit est exact selon la parole? Non, il n'y a personne. Apparemment. Peut-être on peut trouver une deux, une ou deux personnes, pas plus, qui examinent la parole. Hein? Kom euh, gon se dimanche dene ki tirele, ki sa l di, e di ou pase la dis ou ge 30 an ou ap mene 30 euro ou 30 dola, mene yo plus an mene euro. Ou ge 50 an ou ap mene 50 euro. Men eske gon moun ki yasek zye ouvi pou di pase, eske son dial yekri pou wè ki pase son pase kompletman abominable. O pase te baka, ke se le diap kap gouvenel, pa gon moun ki ge zye ouve pou di non. Ou bien, mon avis, dans ces mouchoirs, il faut acheter chaque petit mouchoir, 10 dollars. Et c'est grand monde qui a assez quoi pour dire non Je <laughs> ne peux pas acheter mon mouchoir pour me marier, pour 10 dollars. So quest ce que tu as à faire Est-ce que tu as à acheter ton mouchoir, là, frère Hein Est-ce so que tu as so à un ton mouchoir Est-ce que tu as à un ton mouchoir Ou pas un ton mouchoir Informez-vous qu'on un so ton mouchoir. Quand vous ne parrez pas examiner, vous ne pas la vérité. Informez-vous. Parce que vous a rien pour pour payer 500 euros, 500 dollars. Hein? On enveloppe 500 à chaque monde. Vous y un de fait pour vous faire pour vous hypnotiser pour parce qu'on ne pas comme ça. Mais est-ce qu'on examine la parole pour dire, non, l'Évangile n'a pas dit pour me si si j'ai 30 ans pour me payer 30 euros, ça n'a pas écrit. Est-ce que y a monde qui peut examiner? Est-ce que y a monde qui a les yeux ouverts, qui est en train de dire, non, ça n'est pas bon. nos systèmes système, ça pas bon, pas arrêter là dedans Mais tout le monde chrétien ou qu'un chrétien, mais ou pas disciple de Jésus-Christ. Parce que tout le monde dans le monde entier est chrétien. Mais est-ce qu'on sont chrétien disciple de Jésus-Christ hum? Parce que Jésus-Christ dit, pour disciple, il faut faire volonté, il faut faire ça, demander. Est-ce qu'on fait Parce on a pour la vérité. Et leur couru pour la vérité, quand on vient tomber, dans quel stade on que vient tomber On a à lire dans le verset 10 le Thessaloniciens 2, et puis on a comment la parole de Dieu parlait là. Il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ce n'est pas Frère Patrick ni Frère Jean qui a une puissance d'égarement. Mais c'est Dieu lui-même qui envoie une puissance d'égarement afin que vous croyez au mensonge. alo wè moun nan tak li wè bagay la pan, e tak li kwen nan mensonj la, kou de ou vin gwen espri de mensonj, yo dou batiz ou nan di pe di si te sou pa bi batize ou pa kwen, mèm lò wè la bi bman de pou bi batize ou wè li kwen ou asum lan, wè pti wè, ou pa dako, mè an verite se la pou pase, an verite sou wè fè pati l'eglise kris la ou wè oblige pase la, ou pa gen le chwa, ou apre te soufri kote soufri kou le arive sou se moun kris wè fel, ou pas capable, l'écrit, s'il n'est pas écrit. Parce que la Bible est claire. Pour recevoir pardon pour pécho, la Bible est claire. L'Ibadio pour, je dans non, l'autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Acte 238. C'est clair. Si vous avez l'autre texte, bamwel. Mais acte 238, clair. Homme frère, le verset 37, homme frère, que ferons-nous Et puis Pierre répond. Que chacun de vous repentez-vous et que chacun de vous, -vous, vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Point. Qu'on a na dit, non. Comment on doit faire pour que je ne pas de nos péchés On doit entrer dans la Bible pour bam qui, que la Bible dit. Ça la Bible dit pour ça. Hein? Mais je pêche péché me pardonner, Comment pour me Qui ça pour me faire C'est pour poser question question avec et, 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 monsieur. Yo. Moi, pour pêcher pas me pardonner, comment on en me doit faire Qui ça pour me faire Qui ça la Bible dit Et pas qui au bon réponse dans mon chant, on prend la Bible avec vous. Bon texte, je ne sais pas même parler. Juste bon texte, et la Bible a qui ça pour faire. Hein? On a l'opra, l'icône, acte de traiture, a dit Amen, reportez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. A dit Pour me recevoir pardon pour péché, il faut me baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Point final. Ah, on parle peut pas avec Christ, on remet Christ. On parle pas le baptiser au nom de Jésus-Christ, et on fout pour Christ, soi-disant. Mais c'est terrible ça. Hein? C'est étonnant. Hein? Le verset 12 de Thessaloniciens 2, et qui ça le dit Puisque Dieu, déjà dans le verset 12, le verset 11 de Thessaloniciens 2, le verset 11 déjà dit que Dieu a voyant puissance d'également sous le monde qui dans la parole vérité. Hein? Et dans le verset 12, il dit Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors tout le monde qui peut accepter la vérité, qu'on a plus que Dieu, voyez plus puisse se sur monde qui peut le soumettre avec la vérité. Eh peut-être pour le monde qui ne pas capable de condamner. Ce n'est pas moi qui dis non, c'est la Bible. Condamner. Parce qu'on ne peut pas croire dans sa parole la Parce qu'on ne peut pas soumettre avec la parole de vérité. On a oublié de tout Heureusement, Dieu soit loué. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que acte 19, le verset 1 à 7, c'est écrit. Hein? Il était écrit noir sur blanc. Parce que mon reconnaître Paul rencontre 12 disciples. Ce n'est pas 12 protestants, non? 12 disciples. Qui ne sont pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? Paul oblige obligé de prendre baptiser Et surtout, dans pile a qui dit que dans le texte. Ki di, wè, sete, sete spri yo tere se vwa. Gan pil lider ki dil. Mè chitou telespektatè nan pman do pou mèt aksan, gade teks la byen. Ak 19, toune bibouwa nan ak 19, le veseb 1e a 7, avèm, wap kab komprende sa, pou loske o tan de yo tab di, swa so nan, swa so dizan ekol dizi, manj ki pa biblik, ekol dizi manj pa biblik, son tradisyon yo pran. Tradition païenne et laïque et au point, ils ont entre parce que vous pas et l'évangile Christ là, y oblige chez son sort de système, y ont qui est complètement en dehors de la Bible, ils ont alors lorsque dans soi-disant école dit dimanche, il y a par contre, il y a eu ça écrit dans la Bible, là, il y a fait le tado que c'est imposition de mes portes et fait mon yopat baptisé, les sawa dit non parce que. Matthieu 24 clair. Il dit monsieur, les napli fait attention à ça qu'il n'apli parce que monsieur moun ka pli pas fait attention à ça qu'ils a Ils Il lit pour lire comme si on prend la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. Hein? La Bible est le livre, le livre, le témoin par excellence. Faites attention. Le rapli pour pas paraître sur une pas commune. Il Faut lire avec intelligence. Il ne faut pas vivre rempli d'esprit de confusion et pour prendre parole paroles qui sont inspirées par des hommes que Dieu lui-même a choisi. Et puis, tout si ou pas des connaissance, c'est apprendre à des connaissances Chita pour enseigner. Et acte 19, regardez, chers téléspectateurs, acte 19, le verset premier jusqu'à 7, nous pour où? et nous c'est analyser texte vite fait pour nous capables de comprendre. Dans le verset premier, il dit pendant qu'Apollos, Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples. C'est n'est pas les dit, non, ni témoin de Jéhovah, ni Pancotis ou Baptiste, ou Adventistes. Quelques disciples. Il leur dit. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entend, entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » La faute est campée là. Parce que beaucoup de gens, ils ont plongé, ils n'ont pas fait une position de même pour eux. Ils ont fait croire qu'ils ont sauté avec l'Esprit. Faites attention, hein, Si vous vivez dans un état pareil, ou très grave, grave, c'est grave, son parenthèse. Le verset 3. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Pourquoi Paul posait une telle question? C'est parce que tu as plusieurs baptêmes dans le moment. Hein? C'est ça que si tu es un seul baptême là, il va pas poser une question. Ça. De quel baptême, monsieur? Je ne pouvez pas recevoir cet esprit. C'est que il qui pas OK, monsieur, mais qui baptême recevoir? Et il répondit du baptême de Jean. Baptême Jean-Baptiste là fait n'a aucun nom. C'était un baptême de repentance qu'elle était. Et ce baptême était spécialement pour le peuple d'Israël, pas pour les nations. C'était pour le peuple d'Israël spécialement. Alors voilà pourquoi elle mande qui baptême tu étais recevoir. Et monsieur, il répond, c'était baptême Jean. Étant dans le verset 4 à 19, qui ça Paul répond. Alors, Paul dit... Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, le verset 5-6, mettez en pile l'accent sur lui, parce que c'est là que M. Oprah l'interpréter le mal-baou. Pour que Paul Tégis imposez les mains. Nous allons regarder qui travaille, qui fait là. Gardez le verset 5, avec attention. Gardez, s'il vous plaît. Sur ces paroles, virgule. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, point. Ma relille encore. Sur ces paroles, le verset 5, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus, moi. Il n'y a pas de virgule, non? Là. Si qui vous dans l'étymologie du mot baptême. Maintenant, pour comprendre qui ça baptême signifie, parce que le mot baptême s'explique lui-même. Baptême, mot baptême n'explique pour pour tête. Il dit c'est plonger, immerger totalement dans l'eau. Et là, texte a dit ils furent baptisés. Et dans le verset 6, dans le verset 6, regardez le verset 6. Lorske pa lor yi impoze le men, vigil, an, on recommence. Lorske pa lor yi impoze le men, ki sa k fete le pol poze men? Paske la nou e, dan le verset 6, yo batize, poko ganyan k fete? Batem nan fete, pou fital. Dan le verset 6, goun lot aksyon k fete, se ke pol impoze le men pou yo. et les pas les poser là mais qu'est-ce qu'ça fait maintenant le saint esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient ils étaient en tout environ 12 hommes attendez oui premier bagage dans le verset 5 qui fait ils baptisé baptiser ça veut dire plonger totalement dans l'eau comme clair là nous comprenons. et dans le verset 6 ça qui fait, qui deuxième fait, c'est que Paul imposait les mains pour lui. Alors expliquez, monsieur, bien, les dites dit, surtout faites attention, les appli. Parce que y a un problème, les appli. Mandez, vous faites attention, a Matthieu 24 l'a dit. Monsieur, les appli, faites attention à ça, pas dit. Parce que nous avons besoin bien garder. Le verset 5, fini, le fini, ouais, point. Sur si ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur, point. Respectez, point, monsieur, gardez vigilio, bien les appli. Hein? Point. Verset 6, lorsque Paul leur a imposé les mains, Paul impose, mais le Saint-Esprit vient. Alors là, moi, des actions faites. Ce qui est en fait comme première action. Deuxième action, c'est que Paul impose mains pour cet esprit vienne sur vous. Parce que vous pas de baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas à recevoir cet esprit à cause de ça. Vous avez besoin de baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour vous capable de recevoir cet Saint-Esprit. Là, l'homme dit Dieu soit loué, parce que le texte a écrit. Mounsa débaptisé, baptisé. Hein? Ils ont baptisé. Ils ont baptisé. Baptême, baptisé, on le dans l'eau. Ils ont plongé dans l'eau. Et Paul, quand e voilà, il est là, il a baptisé parce que c'est de Jésus-Christ, monsieur. Il a plongé, messieurs, là. Et après, il a fait un positionnement pour vous. Alors, si vous ne positionné pas positionner, vous voilà fait l'île. Kembe, le Que même, peut-être pas ouais. Ou bien, peut lui une lunette. Que même, expliquez-le. bien pour la Vous l'apprenez.

On monde qui pas baptisé au nom de Jésus-Christ, qu baptise au nom de Jésus-Christ. Alors, on croit qu'on baptise au nom de Jésus-Christ, vrai? Hein? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal, ça. Hein? Ce n'est pas normal. Alors, l'arrivée dans le verset, dans l'acte 10, le verset 1, verset 7, on oblige, on voit baptisé. ne dit pas non. On baptisé? Hein? On ne bien baptisé. Là, il est baptisé. Parce que vous pas bien baptisé. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ, acte 2, 38. Pour recevoir pardon pour péché, c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous devez baptiser. Et dans le verset 39, acte 2, 39, il dit Car la pauvre, c'est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce n'est pas pour celui-là, c'est pour nous, tous, maintenant, dans le siècle, ça, oui. Nous regardons le texte encore. Dans Luc 24. Luc 24 nous parle garder un texte pour nous de voir comment le nom de Jésus-Christ est important et tout autant pas le nom de Jésus-Christ ou rivé dans système ça où nous sommes là pour soi-disant participer dans ces cérémonies diaboliques qui ont été extrêmement là-dedans ils sont pas même rendre compte pourquoi parce que monde pas converti ou en baventure ils rendent que au consagent ça passé en Côte d'Ivoire il a passé ici aussi et ça qu'on ne pas faire confiance si ou pas de mérite dans la parole dans Luc 24 le verset le verset 46, Luc 24 à partir du verset 46. Gardez qui ça le dit dans Luc 24, à partir du verset 46. Mais ça le dit. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que, le verset 47, très important, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Le nom de qui Le nom de notre Seigneur qui est Jésus-Christ en son nom à toutes les créations. À commencer par Jérusalem. Point. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en quel nom Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, acte 2.38, la clé. Repentez-vous et que chacun de vous soit bâti au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Nous regardons le texte encore. Cette fois-ci, nous parlons acte 10. Acte 10. Dans acte 10, n'a pas ça. Pour nous voyons l'importance Jésus-Christ... Alors pas enseveli en avec Jésus-Christ... Qui problème... Qui cas gagné Et au pape... Car ressuscité est suscité au dernier jour... Parce qu'on n'est pas enseveli avec Christ... Acte 10... n'appli à partir de verset 39... Acte 10 à partir de verset 39... Verset 39 dans acte 10... Mais ça le dit... Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait... Dans le pays des juifs... à savoir Jésus-Christ... Et à Jérusalem... Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il paru, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fit ressusciter des morts. Et Jésus nous a ordonné. Alors, c'est Pierre, oui, qui a parlé dans l'acte dit ça. Jésus nous a ordonné. Je maintenant, maintenant. Les pasteurs de nos jours, la plupart des pasteurs de nos jours, je ne qui est-ce qui a ordonné? Hein? Qui les a ordonnés? Est-ce que c'est Jésus qui les a ordonnés? Et là, Pierre a dit, et le verset 42, acte 10. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Le verset 43, tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui, à qui Jésus-Christ, reçoit par son nom. Alléluia, hein Reçoit par son nom. Le pardon des péchés. Ma prélude, le verset 43 à 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que c'est au nom du Père, du Fils, du Seigneur, si le pardon des péchés? Non. Le texte a dit quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Qui ça acte 238 dit encore chers téléspectateurs? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, acte 10, 43, dit 10, même bagala. Hein? Ou après je va pardon par le nom de Jésus-Christ et ou je ne pardon pour pécher nom non Jésus-Christ fo kwenali pour baptiser nan pour recevoir pardon pour pêcher même genre avec 238 dill. Le verset 44 Comme Pierre prononçait encore ses paroles le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole parce que parole sa yo son paroles fortes et vivantes qu'elle est. Hein? Lorsque Pierre dit bagaille sa yo, c'est pas rien, parce que déjà Pierre pas de mettre pied comme si, alors, on l'autre parenthèse, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, pierre ne doit même mettre pied là, et pour Dieu montrer qu'il n'a pas fait acception de personnes, rapide, il fait intervention pour montrer qu'il accepte. Et puis, il n'a pas qu'à refuser le baptême, non. Il n'a pas qu'à refuser de plonger les. Et c'est surtout là, pour ouais, que ce n'est pas une position d'un, non, que pierre fait avant, parce que là, pour Dieu accepter, pour montrer qu'il choisit pas, il a montré que Pierre-Patre non, pas même temps, fait le baptême pour qu'il choisit qui c'est un cas circonstanciel très exceptionnel. Et après Pierre puis après elle dit, dans le verset 47, Pierre après elle dit, mais est-ce que, puisque maintenant Dieu nous a choisit est-ce que nous pouvons refuser le baptême avec Mounzara? Parce que normalement, il faut nous baptiser. Puisque yo quoi et c'était suivi de hein Dieu nous a choisi, et bien nous ne pouvons pas refuser l'eau du baptême avec eux, et puis l'ordonner pour le baptiser en Seigneur. Elle dit, non, non, Jésus-Christ. Ça veut dit que chers téléspectateurs, le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui C'est le nom de Jésus-Christ qui fait tout. C'est le nom de Jésus-Christ qui contrôle tout. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait actualité. À 4. 12, il n'y a de salut en, en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais on ne peut pas dire que dans Jésus-Christ, pour bâtir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut bâtir le nom de Jésus-Christ. Mais il y dans jésus quoi? Bon, on va dire le nom du Père, du Fils Comment on peut parler Comment qui non? Hein? Bon, on bâtit le nom du Saint-Esprit. Bon, comment Saint-Esprit Hein? Ça veut dire que vous besoin le nom de Jésus-Christ pour fonctionner, pour entrer dans l'église Christ là. Alors, c'est la raison pour laquelle que le nom de Jésus-Christ a un gros rôle. Et sans lui-même, on n'est pas capable de sauver. Gardez avec moi Galate 3, Galate chapitre 3. Gardez avec moi Galate chapitre 3 pour capable comprendre ça. Galate 3, le verset 27. Galate 3, 27. Gardez ça le dit dans Galate 3, 27. Galate 3, 27, il dit « Vous tous qui avez été baptisés » en christ vous avez revêtu christ encore une fois vous tous qui avez été baptisés en christ vous avez revêtu christ mais raison, oui vous tous qui avez été baptisés en christ vous avez revêtu christ ou pas baptisé en jésus va pas revêtu christ c'est tout

que on fait qu'il ait mort soit on fait ou bien cher bah bien entendu même dire comme ça parce que suis bien mon qui entend le tout ou pas entendre la que l'ait mouru a mal vécu il veut retourner back pour venir payer la dîme parce qu'il dit pas de payer la dîme alors c'est se seulement ma dîme dans le thémanqué et alors il est obligé il retourner, enfin il dit que Dieu ou bien Jésus christ fait le retourner genre il dit là moi pété genre dit là pour le capable venir payer la, mm -hmm. la, paye la dîme parce qu'il le pas de payer la dîme c'est dîme dans le thémanqué pour le sauver alors bam du magaï on monde qui donne témoignage ou bien on sort de comme ça ça sorti tout droit dans l'enfer oui on, on témoigne qui sortit directement de l'enfer oui on pa payé la dîme, on ou vient payer la dîme maintenant mais eh dans, dans ce cas ni Paul ni un pas sauver ni un disciple pas sauver du tout parce qu'il a pas payé la dîme. hein il voyait le retourner pour lui venir payer la dîme, pour montrer comment un monde fait pour il capable en terre et chaud so à fonctionner pour payer les sa E poutan, si se nan sa ou yo, ou pralo, ou pap mouti. E wap desen an ba, ou pap mouti. Bon, vwa, kou nan la pou moun tadou, li domil wè, ou bèl te mou wè, kou nan wè lvin pe eladim. Alors, ta pwisouple semyo, bam di nou ti bagay. Kelke lo swa, sakè yo moun, ki se, yo, yo, yo ta e le revelasyon vizyon, keswa jan yo e le la, kom yo pakon klasman, yo bakon voman pou yo di sak vizyon, sak revelasyon, sak sonjou. Kelke la swa so sa yon moun dou, de pou wèl pa la bib pa konfirmel, ou mèt jete sa louen. La bib dwe konfirmel, tout sa yon moun dwe di. Ou talè an anfer, ou talè an ba, ou bè mbè so yon koto talè, e bè fok so di an akwa la bib. Afè ou di mkote mou, la bib, la, ou pot kope la di mou, ou mwè toune mwen pe la di, mwen sa soti direktè mwen de l'anfer, pasè la bib pa di sa. La bib pa dil. Ça, on met jeter ça loin, parce que ça pas bon du tout, parce que la vie pas confirmée. L'Évangile pas confirmé. mon a de il ça parce que monsieur attaché avec vision c'est ça ce que Paul dit. Il y a toujours un paquet de vision, mais peut-être pas même comme Christ, il n'y a pas même attaché avec Christ, mais il y a toujours une vision. Voilà pourquoi on de confirmé par la parole de Dieu, ça que vous a dit a depuis le passé dans la Bible, par recevoir. Parce que l'élite pour grandir dans la connaissance. L'élite a pour grandir dans la parole. L'élite a pour nous tendre, pour nous comprendre, pour nous examiner. Hein? Pour nous examiner. Hein? Pour faire ce que l'idée au pour un réfléchir. Parce que y écrit noir sur blanc. Pourquoi il n'a pas parce que les gens qui ne voulaient pas autoriser personne, ceux qui n'ont pas passer encore, pas du tout, pas toujours pasteur. Mais pourquoi on ne veut pas prêcher ça qui est écrit? Pourquoi la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, on ne pas le faire? Et la Bible dit, et on va des femmes pasteurs, pasteuresses, qui ça, ça? Oh, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Hein? Mais, alors, si la Bible dit ou pas fait, faire, et on croit que c'est Jésus qui va Posez-vous la question, pourquoi on ne pas faire? Pourquoi ils ne pas obéir avec ce qu'ils écrit Pourquoi ils ne pas soumettre à sa Bible la dire Pour qui ça Hein La Bible dit chantez-moi en, en là dans nous paroles. Mais ils continue toujours à chanter Hein Et puis en plus, ce so, bon bon hein? qu'elle hein? a sorti, c'est mon drapeau, on a deux drapeaux. Chaque nec est drapeau, il a sorti. Alors, Jésus qui mélange avec la politique. Des drapeaux qui mené ce qu'elle a sorti, ils finissent de chanter choral, puis le Similac qui est complètement contraire à la parole de Dieu comme nous témoitons dans sujet que nous a traité sur un terme hein côté ça bon est écrit dans bible? -bib well. hein? hein? alors, ki, ki, la bible qui bon nous jeune est-ce que dans bible non ou bien mon bible pas dans pawel hein on honorer un mort hein gros service pour mort message à tomber en pile gros leader éviter pour un mort alors qui qui contre la bible confirme elle demande à monner les pour voir mon côté la Bible confirmée le bagage c'est à côté côté au sorti. Ah il y a des biologues a pas de problème donc on va accepter oui. Mais si on pas écrit pourquoi continuer à appeler? Ah je n'aurai pas de problème à voir. Nous ramenons. Nous ramenons. Nous pas de problème à voir. Nous ramenons. 1 Jean 2 27. Regardez ça 1 Jean